C'est Tifosa Folle, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Magazine. Aujourd'hui, on va regarder le magazine Minecraft numéro 3. Magazine Minecraft, c'est l'une de mes meilleures vidéos sur la chaîne. Le premier magazine, je crois, il a fait 200 vues. Le deuxième, il a fait 110 vues, je crois. Donc, ça reste de très bonnes vidéos. Et j'espère que le 3 fera autant. Aussi, dans mes meilleures vidéos, il y a notamment le magazine Marvel Avengers d'avril 2022 qui a fait 800 vues. 800 vues, c'est extraordinaire. Je pense parce que je suis le seul français, je crois, à avoir fait le magazine. Il y en a pas beaucoup qui ont fait, comme je pense par exemple à Brick Legend Studio qui ne l'a pas fait sur sa chaîne. Donc du coup, je pense que j'ai ramené ses vues vers moi. 800 vues, c'est extraordinaire. Bon, là, on s'écarte un peu du sujet. On va parler du numéro 3, du coup, de ce magazine, qui n'est pas n'importe quelle surprise, hein, mine de rien. Nous avons quand même un golem de fer, hein, qui est pas très, comment dire, qui n'est pas beaucoup apparu chez Lego. Hein. Je crois qu'on a deux versions du golem de fer, une récente et une très vieille, notamment. Bah, c'était la première en fait. Donc ça, je pense que c'est la dernière, la plus récente. Voilà, le golem de fer. Voilà. Je vous montre un peu comment il est. Ici, impression, voilà. 43 pièces selon le Polybag. Voilà. Très, très sympa au demeurant. Donc ici, nous avons le petit Polybag. Voilà. La pièce ici, c'est une pièce d'accroche. Voilà. Du coup, on va regarder ce magazine. Et aussi, on va voir du coup le prochain. Le prochain magazine Minecraft. Comment dire? On est entre l'extraordinaire et le génial. Ah bon, bref, vous allez voir ça. Alors, déjà la couverture, hein, plutôt sympathique. Ici, on voit les deux super posters. J'ai oublié de dire très exclusif. Vous allez voir ça plus tard. Voilà. Ici, du coup, petit jeu. Alors, c'est pour fabriquer une arbalète ici en pixels, je pense. Le sommaire. La page qui est exprès faite pour le golem. La BD. La BD, la BD. Hop, petite pub, enfin petit jeu, pardon, ici avec des villageois zombies et des zombies. Petite pub pour les sets Minecraft. BD. Jeu. BD. Et donc, ensuite, les posters. Alors, ici, jeu, par contre. Donc, ici, ce poster, il vous dit peut-être quelque chose. Hein. Ben oui, il était dans un magazine Lego Club ou Life, je sais plus, je crois que c'est un vieux, mais du coup, ça doit être Lego Club à l'époque. Donc, du coup, ça, c'est pas la première fois qu'on a ce poster-là. C'est un petit peu dommage, mais bon. Du coup, ce qui rend ce poster-là encore plus intéressant, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Avez-vous vu ce golem? Merci de le ramener à notre village. Je trouve ça plutôt sympathique. De côté du poster. Pub à Blue Ocean, merci beaucoup pour les Polybag Ninjago d'ailleurs. BD, notice du golem si vous n'arrivez pas à le monter. Hop, BD, pub et jeu, j'ai l'impression. Pub et jeu. Jeu, BD. Jeu. Et pub pour les magazines d'ici. Voilà. Alors du coup, je vais vous montrer ce qu'on a ici. Pub pour la série 2 de cartes Lego Star Wars. Du coup, donc ça c'est plutôt sympa. Au demeurant, pub pour le magazine Lego Jurassic World. Ouais, je pense pas qu'on le verra sur la chaîne. Je pense pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans le prochain numéro? Et quel numéro? Hein? Ici,
Voilà. Donc du coup, nous avons, hormis la petite structure avec une torche, une potion, un minerai de charbon et quelques blocs de stone, on a aussi le mineur, le personnage de mineur, qui est toutefois plutôt sympatoche. Pioche en fer, visiblement, ainsi qu'un creeper, du coup. Donc ça veut dire qu'on a deux figurines dans ce set, enfin dans le magazine prochain, ça arrive cet été. C'est vrai que c'est assez hasardeux, ça peut être en août comme ça peut être en septembre, donc c'est vrai que c'est un peu. Ouais, bon, voilà. On verra ça plus tard. Dans tous les cas, si ce magazine Minecraft vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Et puis, bon, il n'en reste plus qu'à vous dire, c'était MC, la chaîne Ego, qui a ce qui vous aura plu et qui vous dit bye bye.